Salut, c'est Kaliana et aujourd'hui on va faire une petite vidéo découverte mince, sur Viking Wolf of Midgard. Donc c'est la démo. J'ai vu ce jeu sur Amazon, je me suis dit qu'il était bien. Alors je me suis et comme j'ai vu qu'il y avait la démo sur le PlayStation Store, je me suis dit on va faire la démo pour voir ce que ça vaut. Alors guerrier, guerrière. Ah ouais, vous avez pas. Vous avez le garçon et la fille. Cheveux. Comme ça, elle est bien. Joue. Oh, celui-là. On va le laisser en blonde. Alors, les tatouages. Ça. On va prendre le triskel, hein. Accepter. Divinité. Tyr est le dieu de la guerre, de la loi, de la justice et de la gloire. Il a perdu sa main en combattant le grand goût Fenrir. Les dons actifs et passifs de Tyr ne peuvent être utilisés qu'en portant une armée unique à une main. Une armée? Plutôt une arme. Loki. Loki est un Jotun, un dieu des ruses qui peut changer d'apparence. Il est le père de Hel, du loup Fenrir et du serpent monde Jormungand. Les dons actifs et passifs de Loki ne peuvent être utilisés qu'en portant une arme dans chaque main. De hache, de épée, de marteau à une ou marteau à une main. N'en portez aucune. Activez le mode Valhalla. Thor. Portant un marteau, Thor est un dieu féroce aux cheveux roux et à la barbe rousse. Il est associé à l'orage, à la foudre, aux tempêtes, aux chaînes, la force et la protection des humains. Skadi. Né Jotun, Skadi est la déesse de l'archerie, du ski, de l'hiver et des montagnes. Odin est le droit roi borgne et barbu des As. Dieu du savoir, du combat, de la sorcellerie, de la poésie, de l'alphabet runique. Il réside dans le Valhalla où il attend tous les héros tombés au combat. Ouais, donc c'est épée et bouclier, hache pour les deux mains. Marteau, archer et avec un bâton. Bon, moi je suis plutôt comme ça. Le nom. Voilà. Je regarde tous les nouvelles parties. Moi, je suis tout le temps en facile, donc ça sera en facile. Time is neither wheel nor arrow. It flows like a river with all its whirls and torrents. Now, it flows towards icy death. For all the nine worlds. War reigns in Asgard above us, as the ancient conflict between the gods of Aesir and the angels of Vanir erupts once more, while below us, in Niflheim, the frost giants unleash the great ice upon the shores of Midgard. It is their vengeance, the harbinger of Ragnarok, the end of all things. Who would have thought that Ulfholm village, home to outcasts and renegades, would give rise to she who might save us all?
The village had the misfortune of being in Grimnir's way. The giants had no quarrel with the Ulfung, but that was about to change. Défendez le village. Alors, faites des roulades pour esquiver les attaques ennemies. La roulade requiert de l'endurance, les armures et les boucliers équipés ralentissent la roulade. R pour faire une roulade. Ok. Ah ouais, faut attendre vraiment pour avoir l'attaque. Trouvez le chef. Odin, you returned at last. Jotun raided our village. He slew the chieftain and most of our warriors. Oh, I barely escaped, but perhaps there's still hope for the Ulfung tribe. There are still a few survivors left. Slay the attackers and save the Ulfung tribe. Here, take this healing totem. The old chieftain will not need it anymore. I hope it serves me better than it served him. Alors, les soins. Soignez-vous à l'aide des totems de soins. Se soigner nécessite des charges de soins et réinitialiser le compteur de combo. Récupérez des charges de soins aux hôtels de soins. Au fil de votre aventure, vous trouverez des totems de soins plus puissants. L1 pour vous soigner. C'est pas difficile, mais il faut vraiment attendre que l'attaque elle soit rechargée. Là, débarrasse-toi de lui d'abord. Voilà. On va aller sauver l'autre là-bas. Thank you.
of us has drawn our last breath. Pas par là, c'est de l'autre côté. Non, pas par là. Retrouver les survivants à la maison du festin. Allez, viens, amène-toi. Cassez-vous les petits là. Ça c'est quoi? Hôtel de soins. Ah bah tant mieux. That day to choose a new chieftain, but there could be only one choice. The shield maiden who had slain a giant and even driven the enemy into flight. Under the command of the new chieftain, they rebuilt the village. First, they rebuilt the altars, where the clan could dedicate the blood they had spilled to the gods and goddesses of Asgard and earn their favor. Nearby, a tent to house the Skald, who would salve their wounds and write poems of their glorious victories. Last, they rebuilt the armory and smithy, so that their new chieftain might have weapons and armor to aid her in battle. But where to take the battle? That was for the chieftain alone to decide. You have proven yourself in battle, my chieftain. But if you're to survive this winter and against strong foes, you'll need better protection. I don't have much to offer right now, but help yourself to what I have in the smithy. Many great warriors died today. May they feast well in Valhalla. However, our stocks are ruined, meaning we cannot feast as well here. There is meat and wood in the fjords. I will make it safe for those who lack my talents. Ha! Not killed anyone before. I suppose it might be interesting. Bon, on a aussi une armure, donc...
Elle a été mise directement. Ok. On va aller dans les bois alors. Alors, sacrifie du sien sur les hôtels pour gagner des niveaux. À chaque niveau, vous gagnez de nouveaux points de dons. Chaque dieu confère des dons différents, certains passifs, d'autres actifs. Améliorer les hôtels pour obtenir des dons plus puissants. Sacrifie du sang. Ah ouais, c'est comme dans Bloodborne. Rendez-vous dans les fjords et tuer le Jokul. Ouais. Alors, l'emprise du Jokul. Le village a vite besoin de nourriture et de bois pour se reconstruire. Vous trouverez tout ça dans les fjords, mais un Jokul a maudit cette vallée et l'a fait tomber sous son emprise. It is unwise to let a yokel live near you. The old chieftain thought it best to leave a frost spirit for the summer hunts. Now, with the food stores destroyed, desperate action was required. Alors, détecticiel l'environnement. L'environnement peut avoir des effets négatifs dus au froid, à la chaleur, au poison, etc. Lorsque la valeur d'exposition à l'environnement est au maximum, vous commencez à subir des dégâts. La barre d'exposition à l'environnement se situe juste sous la barre des PV. La valeur d'exposition à l'environnement diminue dans les lieux abrités, par exemple les feux de camp dans le froid. Okay. Ah merde, j'ai raté. Voilà. Et pof, trop d'un coup. Mais c'est pas un hérétique, c'est un loup. Oh là là. Là, vous êtes trop nombreux là.
J'ai touché le corbeau avec Nyonk. On va les se mettre près du feu. Voilà. Allez. Voilà. On va les remettre près du feu. Un petit coup de soin, voilà. Il était costaud celui-là. Ils sont planqués sous la neige, quoi. Voilà, hop. Le coffre. De passage, un coffre. Mince, j'ai raté.
Ouais, je sais pas comment j'ai fait pour toucher les trois d'un coup. Faut que je trouve un feu. Vite, 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 vite. Voilà. Ça, on va le détruire. Allez, 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 allez. Voilà. Oh, il y en avait un qui était caché.
Ah, on peut attaquer. Ah là là. Vous pouvez attaquer avec croix. Hein. Ça, si je l'avais su avant. Ça change totalement le gameplay quand vous savez que vous pouvez attaquer avec croix. Allez, viens là, petit cochon. Quand je vais me soigner, parce que j'ai plus de vie.
Il me faut un feu, un feu. Voilà. Oh, elle est explosée, Loulou. Ah, ça c'était la rage. Ok. Ah ouais, c'est le truc tout là-bas et il y a lieu le levier là, ok.
ce petit coup sur la nuque. Il me manque deux totems. Qu'est-ce que c'est ça? Dernière arène. Ah, vas-y. Ah, il m'a gelé pendant ma roulade. Coup de soin. Ils font mal, c'est con. Et voilà. Et voilà, c'était la démo de Viking Wolf of Midgard. Je pense que je l'achèterai, hein, il a l'air bien. Voilà, c'est tout. Allez, salut!